Allô, bonsoir, une question? Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, voilà. En fait, il y a une question que je me posais, enfin que je me pose encore d'ailleurs. En fait, je me demandais, donc dans les assemblées, il y a des personnes qui aiment le Seigneur et qui sont sincères dans leur foi. Et ben, je me demandais en fait comment c'était possible que ces personnes-là pouvaient être autant en désaccord parfois avec le message de TV de vie. Moi, dans mon entourage, bon, bah, je connais des personnes qui aiment vraiment le Seigneur. Je vois qu'ils le recherchent, qu'ils sont à la recherche de la vérité. Mais pourtant, enfin, quand je leur parle du message de TV de vie, ils sont, comment dire ça, ils sont très, très réticents. Ben, ces personnes sont chrétiennes? Oui, elles sont chrétiennes, ce sont des personnes qui sont dans des assemblées, mais même en dehors du fait que ce sont des personnes qui vont dans des assemblées, ce sont des amis, je sais que Ben, y a plusieurs raisons à cela, ils ma sœur. recherchent le Seigneur. Il y a plusieurs raisons à cela. Pourquoi des chrétiens refusent-ils le message qui est prêché par TV de Vie ou Oui, d'autres messages ici et là? pourquoi est-ce qu'on peut ne pas être d'accord en fait? Très bonne question, ma sœur. Là, une des raisons, c'est quoi? C'est que, comme tu le sais certainement, je suis diabolisé par près de 95% des pasteurs. Ça, je pense que tu le sais. Donc, ils vont, même devant leurs assemblées, dire, n'écoutez pas Chora, c'est un gourou, c'est un sorcier, c'est un magicien, et voilà, vous ne le connaissez pas, c'est l'antichrist et tout ça. Donc, il y a déjà ça. Donc, ils font ça à cause de la jalousie parce que le message ben, casse leurs ambitions. Quand on prêche la gratuité, ben, ça les dérange parce que beaucoup de pasteurs se font de l'argent en vendant leurs livres, en vendant les chantres, soi-disant chrétiens, vendent leurs CD, leurs concerts payants, tout ça. Donc, du coup, le message de la gratuité dérange énormément la chrétienté aujourd'hui. Le message contre quoi? Contre la dîme, le paiement de la dîme. Pareil, ça casse le marché, ça casse beaucoup d'ambition des pasteurs. Eh ben, ils ont la rage, donc ils font un travail pour salir, pour casser le message, la vérité, comme des pharisiens, comme les pharisiens à l'époque de Christ. Et c'est essentiellement des prédicateurs hein, qui sont contre ce message-là. Beaucoup de chrétiens cherchent véritablement le Seigneur, mais des prédicateurs, même ceux que nous on a connus chez nous, qui ont été formés et qui aujourd'hui se retrouvent en train de nous combattre. Pourquoi? Parce que c'est des ambitions en fait. C'est des ambitions personnelles. Les gens sont remplis d'ambition. Mais en fait, là, je pensais plus, bon, pas aux pasteurs, mais aux personnes qui vont dans les assemblées. Parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que normalement, si ces personnes-là recherchent vraiment la vérité, elles devraient être en accord. Pas les pasteurs, parce qu'on est d'accord que, bon, il y a des faux pasteurs, mais les personnes qui vont dans les assemblées, Ben oui, mais ma vraiment, sœur, elles recherchent le Seigneur, normalement, on devrait tomber d'accord. pas forcément parce que c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Le peuple juif, les juifs cherchaient, il y en a qui cherchaient la vérité, on est d'accord. Et quand Élie le prophète a commencé à prêcher, allons voir dans la Bible, parce qu'on va donner des versets bibliques, hein, en fait, ça c'est une des raisons. Hein? Donc il y en a d'autres. Je vais essayer de te donner quelques-unes. Mais D'accord. une des raisons, ce sont des pasteurs, des prédicateurs. Hein? Quand je dis pasteur, comprenez, des prédicateurs. Et ceux qu'on appelle dirigeants ou responsables. Voilà. Nous sommes dans 1 Roi. Chapitre 19. Dans 1 Roi, chapitre 19. Pardon. 1 Roi 18, pardon. Voilà. Verset 20. Ainsi Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si Yahweh est Dieu, suivez-le. Mais si Baal est Dieu, suivez-le. Et quelle a été la réaction du peuple? Le peuple ne lui répondit pas un seul mot. Donc on voit ici que ce peuple, parmi ce peuple, il y en a qui cherchaient Dieu.
Il y en a qui étaient sincères, mais ils ont connu tellement les prophètes de Baal. Oui. Ils ont tellement écouté des fausses doctrines. Ils ont tellement écouté les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux dirigeants, que quand Élie est venu avec le message véritable, je ne dis pas que je suis Élie, tout ça là, mais on se comprend, c'est par rapport à ta question. Voilà. Et quand Élie est venu avec la parole de Dieu, eh ben ce peuple qui avait mangé des colocantes sauvages pendant des années n'a pas su, n'a pas pu, n'a pas voulu prendre position pour la vérité. D'accord. Ok, oui, c'est plus clair là. Voilà. Et là, ben, autre chose encore. Nous sommes dans Jean, chapitre 9. Jean chapitre 9 et au verset 22. Son père et sa mère dirent ces choses parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Pour cette raison, son père et sa mère dirent : il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Donc ici, on nous dit que les parents de l'homme qui était né aveugle, que le Seigneur avait guéri, vont être convoqués par les pharisiens qui étaient en colère parce que Jésus faisait des miracles qui les dérangeaient. Ils convoquent ses parents, ils posent la question à ses parents, est-ce que cet homme est votre fils? Ils disent oui, mais comment est-ce qu'il a été guéri? Ils disent non, il a de l'âge, posez lui-même, parlez à notre enfant directement et pas à nous. Parce qu'ils avaient peur d'être exclus de leur synagogue. Beaucoup de chrétiens qui cherchent la vérité ont peur, n'est-ce pas, de perdre leurs amis, de perdre leurs acquis, parce que en écoutant la vérité, en acceptant la vérité, ils ont peur de perdre, de se retrouver seuls. Oui, oui, c'est vrai. Donc ils ont la pression de ces dirigeants, ces pasteurs, ces faux pasteurs, ces faux frères, tout ça là. Il y a ce côté-là. Et ça c'est une des raisons. Ce sont les dirigeants. Le Seigneur disait aux pharisiens et vous avez la clé de la science, vous empêchez les gens d'entrer dans le royaume de Dieu et vous n'y entrez pas vous-même. Et donc, la deuxième raison, c'est que ces chrétiens-là, soi-disant, là, ils trouvent leur compte dans ce système religieux. Chacun trouve son compte. Parce que ils ont des pasteurs qu'ils méritent. C'est comme l'Église catholique. Des prêtres catholiques vous disent, à l'époque déjà, hein, bah, en gros, ne lisez pas la Bible, nous on va faire les choses à votre place. On a déresponsabilisé des chrétiens. N'allez pas vous-même vers Dieu, n'allez pas vous-même faire des recherches dans la Bible, n'allez pas vous-même méditer, laissez les théologiens, les dirigeants faire les choses à votre place, et vous, ben vous payez, donnez la dîme, donnez les offrandes, et vous allez être nourris ensuite, et ça s'arrête là. Donc, ces chrétiens-là vivent leur vie chrétienne comme ils l'entendent, et ils ne veulent pas faire d'efforts personnels pour se sanctifier, et pour se garder pur. Parce que les bishops, les pasteurs font tout à leur place. Et parce que le message là, qui est prêché, là, ça dérange énormément, comme tu le sais, ma sœur. Ça dérange énormément. Ça te responsabilise. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas être responsabilisés. Et c'est ça le problème. Et nous, on voit des gens qui étaient même là hier, ils ont prêché ce message. Aujourd'hui, ils changent de message. Pourquoi? Parce que ça, à un moment donné, ils ne veulent pas se sacrifier pour le Seigneur. Ils ne veulent pas. Parce que ça coûte. La vérité dérange. La vérité coûte cher. Donc, les ambitions. Il y a beaucoup d'ambitions. Ça, c'est une autre réponse. Parce que des chrétiens ont des ambitions personnelles qu'ils veulent assouvir, qu'ils veulent réaliser. Et il y en a, c'est le ministère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit même sur YouTube, tout le monde devient prédicateur, tout le monde a une chaîne de télé, tout le monde, même ceux qui ne sont pas appelés, même les impudiques, les voleurs, les ministères de canapé, les ministères de cuisine, parce que ils veulent le ministère, même si ils font des séminaires, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ils veulent quand même montrer qu'il y a quand même 3-4 pèlerins. Ils ne se rendent même pas compte à quel point ils sont devenus bêtes. Ils sont devenus idiots. Voyez,
Tout ça là, pourquoi? Parce que c'est des ambitions. Ils se nourrissent d'ambitions pour se faire voir, pour se faire connaître. Et il n'y a rien. Donc, parce qu'ils n'aiment pas la vérité, simplement. Ça, c'est une autre réponse. Parce que beaucoup ne n'aiment pas la vérité. Et c'est pour ça que les Écritures nous disent dans 2 Timothée 4 que, ben, ils chercheront des docteurs qui répondent à leur désir. Oui. C'est ça le problème. Et une autre raison, c'est que ce n'est pas le temps. Quand le temps viendra, comme les frères biologiques de Jésus-Christ, qui ne croyaient pas en lui selon Jean 7. Ses propres frères, même sa mère biologique, ne croyait pas. Au début, oui, mais à un moment donné, on nous dit dans Marc 4 que les parents de Jésus-Christ, notamment ses frères et sa mère, le prenaient pour un fou. Donc, même son entourage ne croyait pas. Et alors qu'il n'était pas forcément mauvais, en parlant de sa mère, en parlant de ses frères, et plus tard on va parler de Jude qui va prêcher l'évangile, on va parler de Jacques, ses frères, les frères du Seigneur, parce que ce n'était pas le temps pour eux. Il y a aussi le temps de Dieu. Donc il ne faut pas forcer, il faut partager la parole et prier pour ces personnes-là. Voilà. D'accord. Donc il y a toutes ces raisons. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas c'est très clair, merci. Que Dieu soit béni, ma sœur. Merci, au revoir. Au revoir.